Alors dans ma précédente vidéo sur la mise en route du Mavic Air 2, je vous avais indiqué que j'ai souscrit à l'option DJI Care Refresh. J'avais jamais souscrit à cette assurance avant, que ce soit pour tous mes drones DJI ou autres, j'en avais pas exprimé le besoin, mais avec le Mavic Air 2, j'ai préféré la prendre, je vous explique pourquoi. Alors, euh, avant tout, qu'est-ce que c'est que DJI Care Refresh en fait C'est une assurance, une assurance tout risque. On pourrait comparer ça à une assurance tout risque que vous avez sur vos véhicules, sur votre voiture par exemple, puisque ça va vous couvrir sur tous les dommages que vous allez pouvoir rencontrer avec le drone que ce soit responsable ou non responsable, c'est-à-dire que si vous faites une erreur de pilotage, le drone se crache dans un arbre, il est hors d'état de voler, et eh bien euh, voilà, vous êtes couvert, il vous renvoie un autre drone, et je vais détailler un petit peu plus tard après. Ça peut être une perte du drone dans l'eau, par exemple, vous survolez un plan d'eau et le drone finit à l'eau pour raison X ou Y eh bien encore une fois, vous êtes remboursé. Vous percutez un oiseau en l'air, je ne vous le souhaite pas, euh, ni pour vous, ni pour l'oiseau. Le drone vous échappe de la main, il tombe par terre, la gimbal est cassée, et eh bien voilà, l'assurance prend en charge. Donc ça couvre vraiment l'intégralité de tous les dommages que vous pouvez subir à votre drone durant la première année. C'est valable un an, et euh, ce n'est pas renouvelable. Donc c'est pour la première année. Alors cette assurance, elle a un coût quand même qui est non négligeable, puisque pour le Mavic Air 2, l'assurance DJI Care Refresh est vendue 89 euros. Donc, avec cette assurance à 89 euros, on va avoir droit à deux unités de remplacement. C'est-à-dire que si on a un crash, eh bien du coup on va pouvoir faire la demande d'un drone de remplacement. Ça va nous coûter 79 euros en plus de l'assurance qu'on a souscrit. Et si c'est la deuxième fois, eh bien ça va vous coûter 109 euros. Alors, ce qu'il faut savoir quand vous faites appel à cette assurance, c'est que vous ne recevez pas forcément un drone neuf. C'est bien stipulé. C'est à chaque fois que vous demandez un remplacement vous recevrez une unité de remplacement neuve ou comme neuve en termes de performance et de fiabilité. Puisque la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que pour euh, éviter de perdre trop de temps, en fait, il vous renvoie des unités qui ont été soit reconditionnées, soit réparées et qui sont dans un état euh, très correct. De, de vol, mais ce n'est pas forcément le même drone. Donc je vous invite à noter le numéro de série si vous faites appel à DJI Care Refresh. Comme ça, quand vous le recevez, vous êtes sûr de savoir eh bien, si c'est le même drone ou pas. Mais la plupart du temps, pour gagner du temps, eh bien, il vous renvoie une unité similaire, mais qui n'est pas forcément le drone que vous avez envoyé. Alors c'est un des autres avantages aussi de souscrire à DJI Care Refresh, c'est que si vous arrive un crash suite à une erreur euh, due au drone, euh, de conception ou logiciel, et eh bien, du coup, vous pouvez faire jouer l'assurance normale, DJI, c'est garanti deux ans, comme tout appareil électronique acheté en France. Voilà, vous avez une garantie de deux ans. S'il y a un défaut de fabrication ou quoi qui mène au crash, et eh bien, du coup, DJI va enquêter, va vous demander les logs, et euh, si c'est avéré être un problème du drone, ils vont vous rembourser ou renvoyer un autre drone. Sauf que avec DJI Care Refresh, vous n'aurez pas toute cette phase d'étude, de, de temps justement perdu à étudier la, la cause de, du crash, puisque c'est quasiment immédiat. Dès que vous faites le, la demande d'un appareil de remplacement, eh bien, vous renvoyez le drone et les frais euh, sont pris en charge. Donc, vous faites une demande de prise en charge par l'assurance DJI Care Refresh. On vous envoie un bon pour le colis, donc tout ça, l'expédition le, c'est compris. Vous n'aurez rien à payer. Et surtout, ce sera très rapidement. À partir du moment où vous engagez la procédure, vous allez recevoir rapidement une unité de, de remplacement avant même qu'ils fassent trop d'investigations et qu'ils cherchent à réparer. Donc, c'est aussi un gain de temps. Si vous êtes pressé, eh bien, vous allez gagner beaucoup de temps lors d'un remplacement. Alors, il y a aussi l'avantage d'avoir des réponses rapides avec le support DJI, puisque vous avez un support téléphonique VIP en souscrivant donc à ce service-là. Et ça va vous permettre d'avoir des réponses, d'obtenir des réponses et euh, une procédure beaucoup plus rapide que si vous n'y avez pas souscrit justement à cette assurance-là. Et autre avantage, ce sont les frais de port qui sont gratuits. Si vous renvoyez votre drone pour réparation ou échange standard, que ce soit à l'envoi, à la réception, vous n'aurez rien à payer puisque les frais de port sont compris avec l'assurance DJI Care Refresh. Alors maintenant, comment souscrire à DJI Care Refresh En fait, quand vous recevez un appareil neuf DJI, quand vous allez lancer donc le, la connexion, la première liaison avec l'application et le drone, on va vous dire l'activation. Donc, on va vous demander d'activer le drone. Et à partir de ce moment-là, une fois que le drone est activé, vous allez avoir 48 heures pour souscrire à DJI Care Refresh. Soit vous le faites via l'application et le smartphone, et vous le faites directement au moment de l'activation, puisqu'on va vous demander, on va vous proposer justement l'activation de DJI Care Refresh ou non. Soit vous pouvez le faire parallèlement dans le laps de temps, donc de 48 heures suite à l'activation. Vous pouvez acheter DJI Kia Refresh sur euh, votre ordinateur de manière séparée et ensuite vous allez donc pouvoir l'associer avec le drone. Vous pouvez acheter DJI Kia Refresh après avoir acheté le drone. Vous pouvez le souscrire donc via euh, internet, donc sur le store DJI ou l'acheter sur un autre site comme Studio Sport. Moi je vous recommande plutôt de l'acheter via le store DJI, via le site internet DJI parce qu'il euh, sera lié directement avec votre drone, grâce à la liaison de votre compte que vous avez donc, euh, sur DJI, plutôt que de l'acheter chez un autre revendeur où là vous allez recevoir un code d'activation qu'il faudra rentrer. Alors attention parce que si vous achetez séparément le drone et DJI Care Refresh, il faut que ce soit fait dans le même pays, puisque DJI Care Refresh et le produit correspondant doivent être achetés dans le même pays et la même région. Le programme n'est applicable que dans la région où il était acheté. Alors si vous laissez passer les 48 heures après l'activation et que vous voulez quand même souscrire à DJI Care Refresh, vous pouvez souscrire ultérieurement dans les 30 jours qui suivent l'activation du drone. Mais là on va vous demander plus de preuves puisqu'on va vous demander de filmer avec le drone, d'envoyer donc euh, un, un film prise par la caméra, euh, de, de présenter le drone, de prendre des photos pour être sûr que son état et euh, dans un état neuf et qu'il n'y a pas euh, arnaque entre guillemets à l'assurance et que vous n'essayez pas de souscrire alors que le, le drone a subi un crash. Donc ça va être plus compliqué. Moi je vous conseille de l'activer dans les 48 heures, c'est automatique. On vous demande le numéro de série du drone et ça se fait euh, en ligne très très rapidement. Si vous attendez, si vous dépassez les 48 heures, ce sera possible, mais ce sera plus contraignant. Et il y a un dernier cas où vous pouvez souscrire à DJI Care Refresh, c'est si vous faites réparer votre drone suite à un crash par exemple. Le drone est réparé, il vous est renvoyé. Et là, vous vous dites, bah tiens, je l'ai craché une fois. Maintenant, je vais peut-être quand même prendre DJI Care Refresh. Et là, vous pouvez donc, c'est dans les 72 heures après avoir reçu, euh, reçu un mail d'invitation suite à une réparation de DJI, où vous pourrez euh, souscrire du coup à ce moment-là à DJI Care Refresh. Alors, quand vous avez souscrit DJI Care Refresh, ça ne figure pas dans l'application. Vous ne pouvez pas le justifier. Il faut aller sur votre compte euh, DJI. Et là, vous avez une URL que je vous mets dans la description où vous pouvez suivre en fait l'état d'enregistrement de votre drone. Et comme ça, si vous le revendez d'occasion, vous pouvez justifier de l'assurance DJI Care Refresh et vous aurez les dates d'expiration de, bah de, de cette assurance -là. Alors maintenant pourquoi je souscris à DJI Care Refresh avec le Mavic Air 2 et pas avec mes autres drones, pourtant j'ai une Mavic 2 Pro, et etc. Eh bien en fait, parce que pour moi, le Mavic Air 2, c'est un des plus gros inconvénients de ce drone-là, c'est que DJI communique beaucoup sur euh, ses capacités de vol intelligente, Active Track 3.0, Spotlight, Point d'intérêt 3.0, etc., etc. Sauf que, eh bien, il n'est pas équipé de détection d'obstacles sur les côtés. Alors, c'est n'est pas rédhibitoire en soi, mais... On vante les mérites d'une intelligence artificielle en vol, et c'est vrai qu'il a toutes les vidéos qu'on peut voir, eh bien, il fait du tracking de manière euh, plus fluide que ses, euh, que ses grands frères. Sauf qu'on l'équipe d'un moteur de Ferrari et on lui met des routes Twingo. C'est-à-dire que pour moi, eh ce n'est pas cohérent. Et en plus, on insiste sur le fait, commercialement, que c'est un drone qui est super pour faire du tracking. Pour moi, il n'est pas euh, à la hauteur d'un SkyDio 2, par exemple, qui fait du tracking et qui est bardé de capteurs de tous les côtés. Et surtout, de tout ce que j'ai vu de vidéo jusqu'à présent, eh bien, en tracking, en suivi par derrière, il est très très bon. C'est beaucoup plus fluide effectivement que ce qu'on peut voir sur les Mavic 2 par exemple. En revanche, en tracking latéral, il n'a pas de détection d'obstacle. Et j'ai vu plusieurs vidéos où il se crache. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, comme moi... Je, je le teste pour vous, entre guillemets, et je vais aller le tester en tracking. Je vais tester ses capacités en forêt et notamment par rapport aux branches, où pour moi, euh, il y a quand même des lacunes, entre guillemets, hein. c'est pas fiable à 100% le tracking, donc je vous engage vraiment à faire attention à cette fonctionnalité-là. Eh bien, je me suis dit que justement, par rapport à ça, vu que je vais faire des tests de tracking et je vais l'utiliser en mode de vol intelligent et notamment donc en vol latéral, eh bien, j'ai préféré prendre cette assurance pour eh bien, pallier à tout crash, parce qu'à mon avis, et d'après ce que j'ai vu en vidéo pour le moment, eh bien, il n'est pas exclu que le drone se crash. Parce que c'est pareil, en point d'intérêt, le drone, en fait, eh bien il se déplace latéralement et il n'a aucune visibilité sur les côtés. Et donc, encore une fois, bah, là, il y, y a danger. Et donc, dans votre pratique, c'est à vous de voir vraiment si vous allez utiliser les modes de vol intelligents, et le, surtout le mode de suivi, et le mode de suivi latéral. Dans ce cas-là, eh bien Je pense que DJI Care Refresh, c'est une sécurité en plus, parce que même si d'une manière logicielle il est très capable, ce drone-là, et eh bien physiquement il n'est pas équipé pour être à 100% de ses capacités. et C'est pour ça que je trouve que c'est décalé et euh, je trouve que DJI communique beaucoup sur ses nouvelles fonctionnalités. Mais attention, pour moi, il y a quand même un petit manque par rapport à justement ce, ces détections d'obstacles, que ce soit sur les côtés ou au-dessus qui sont absents et qui permettraient bah, beaucoup plus de sécurité. Alors concrètement, pourquoi j'ai pas pris DJI Care Refresh sur un Mavic Mini Eh bien parce que sur le Mavic Mini, il n'y a pas de détection d'obstacles et je suis toujours en pilotage manuel et donc je, je fais confiance entre guillemets à mon pilotage et je prends des marges de sécurité assez élevées. Donc je ne trouvais pas ça pertinent de prendre l'assurance DJI Care Refresh pour un Mavic Mini. Pour un Mavic Pro première génération ou un Mavic Pro 2. Pareil, j'utilise très peu les modes de vol intelligents et quand je le fais, je le fais en espace dégagé et je ne vais pas aller chercher euh, les, les, petits, euh, les petits obstacles comme les branches ou, euh, ou les fils électriques. Voilà. Avec celui-là, comme il a des capacités, encore une fois, logicielles plus élaborées, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant en profiter de cette technologie-là. Mais comme physiquement pour moi il a des lacunes, eh j'ai préféré souscrire à cette assurance DJI Care Refresh. Alors DJI il me semble a été un des premiers à proposer ce service-là d'assurance. Maintenant il y a d'autres marques de drones qui le proposent. Vous avez aussi des alternatives comme des assurances à la FNAC euh, qui vous couvrent euh, un peu en tout risque pareil pour tous les objets électroniques. Personnellement, moi je vous conseille plutôt DJI Care Refresh parce que c'est le fabricant, ils savent de quoi on parle, ils vous le, ils vous le renvoient automatiquement à une unité de remplacement, alors que voilà, si vous traitez avec la FNAC, à mon avis, c'est quand même moins pertinent. Donc moi personnellement je préfère prendre ce genre d'assurance plutôt que d'autres assurances qu'on peut trouver ailleurs. Parce que là au moins on a affaire avec le constructeur et euh, voilà et donc c'est plus rapide et certainement plus efficace. Alors voilà, vous savez maintenant pourquoi j'ai souscrit à DJI Care Refresh avec ce Mavic Air 2. Ce drone-là, il coûte quand même près de 900 euros en version de base. Donc si vous comptez utiliser les modes de vol intelligents, et eh bien c'est à peser. C'est sûr que c'est un coût, 89 euros plus le coût du remplacement. Ou alors si c'est votre premier drone et si vous débutez. C'est à vous de voir. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez décidé. Moi, je vais continuer mes tests à tester justement les modes de vol intelligent et le tracking en espérant bien sûr ne pas le cracher. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao